Terre de France est heureux de vous accueillir au pays du Salers. Vous allez découvrir au cours de ce reportage deux typologies de produits. Le Salers Tradition, avec une traite très particulière, et le Salers Salers. Mais avant tout, un personnage illustre, Tissandier d'Escou, qui a été une des personnes les plus importantes dans la réintroduction de la race Salers. Je vous souhaite un bon reportage. De la traite de ce soir, de la traite de 50 vaches. La température du lait, c'est important pour la fabrication du fromage. Alors ça, c'est la présure, on met 30 ml pour 100 litres. On remue bien parce qu'au moment de la traite, la crème est remontée un peu en surface. Là, c'est des pièces qu'on va sortir demain matin de pressage. Elles vont aller à la cave. L'empreinte salaire. C'est ça qu'on plaque au fromage. Et là, on voit bien le salaire. Une pièce comme ça, on n'aurait pas envie de la manger. On voudrait la garder tout le temps. L'histoire de la société fromagère du Livradois et donc de la famille Thuère, c'est mon grand-père qui l'a débuté en 1949. Il était épicier, il collectait chez les producteurs et les agriculteurs tous les produits de la ferme et il a commencé à fabriquer des fromages. Toutes ces années passées, on a développé toutes les AOP auvergnates qui sont le bleu d'Auvergne, la Fourme d'Ambert, le Saint-Nectaire, le Cantal, le Salers. Sur l'affinage des salers, on a deux types de salers, le salers salaire et le salers tradition, 100% lait de vache salaire. Où nous sommes aujourd'hui pour découvrir tous les goûts et les terroirs qui peuvent se cacher au travers de toutes ces productions. Nos fromages sont rentrés en cave et on les frotte une fois par semaine. On leur enlève le pellicillium qu'il y a dessus là, pour obtenir une croûte tout en relief, une belle croûte comme celle-ci. Et ils sont retournés pour éviter de se déformer. Parce que si on les laissait toujours sur la même face, ben les fromages deviendraient en pyramide. Donc. Et donc toutes les semaines, ils sont frottés. Comme ceci, à l'aide d'une toile de jute, hein, toute simple, sèche. Un fromage fait 40 kg. Vous voyez, dans une heure, on fait 60-70 pièces. Vous pouvez voir le nombre de kilos de fromage qu'on passe dans les mains. Et là, ici, vous avez du salaire-salaire, qui est fait avec n'importe quelle race de vache. Et ici, vous avez un salaire-tradition, qui est fait, lui, uniquement avec du lait de vache salaire. C'est un fromage un petit peu en voie de disparition, parce que sur 70 producteurs que l'AOP compte, il n'en reste plus que 6.